Prosper. Je t'écoute. Vous êtes très belle, madame. Merci, monsieur. C'est vraiment très gentil à vous. Serveuse? Donnez-lui le double de ce qu'elle boit. C'est moi qui paye. Ma chérie, s'il te plaît, donne-moi deux bouteilles de Chivas. D'accord, madame. Excusez-moi. J'ai dit deux bouteilles parce que je voyais ce que vous buviez déjà. Sauf que généralement, je commence par de l'eau. Mais après de l'eau, je prends deux ou trois bouteilles de whisky. Et généralement du Chivas Extra. Et après, j'ai toujours l'habitude de terminer par une bonne bouteille de vin blanc. Ok, dans ce cas, j'ai payé une bouteille juste pour honorer ma parole. Ça fait combien? 70 000 francs, monsieur. Waouh! Ici, au Midnight, c'est vraiment du VIP. Merci. Tenez. D'accord, monsieur. Ma chérie, s'il te plaît, laisse d'abord au comptoir. Dès que je finis de boire de l'eau, je te fais signe. D'accord, madame. Pas de problème. Je peux avoir votre comptable, madame? Je suis désolée, monsieur, mais je préfère plutôt prendre le vôtre. Je n'aime pas trop donner mon numéro à des inconnus. Je suis une femme respectable, moi. Mais vous acceptez les boissons offertes par des inconnus? J'avoue que je suis très touchée. Mais vous ne pouvez pas espérer exploiter une mine d'or au même montant qu'une carrière de sable. Vous êtes plus belle qu'escroc. Ça me rend encore plus amoureux. Merci. Mambo. Oh. Comment ça va? Non, ça va. Et toi? Bien. Comment va ma petite soeur chérie? Ah, elle va très bien. Elle va très bien. Ah, d'accord. Waouh! Quelle belle créature! Merci, monsieur. C'est gentil à vous. Madame, prenez quelque chose à ma santé. Merci. Serveuse! Donnez-moi une bouteille de Chivas Extra. C'est le monsieur qui vient d'arriver qui paye. D'accord, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Ça fait combien la bouteille de Chivas? 70 000 francs, monsieur. 70 000 francs? Ouais, ici au Midnight, c'est du VIP. Tenez. Merci, monsieur. Alors, princesse, est-ce que vous pouvez nous joindre à nous? J'aurais bien voulu, mais... Oh. Chérie, je m'excuse, hein. J'étais dans une transaction avec mon adjoint. J'espère au moins que tout s'est bien passé. Ah oui, t'inquiète, tout va bien. Ok. Tu m'as dit que l'opération de la maman coûtait combien? Chérie, c'est 480 000. 480 000. Mm-hmm. Ok. Je te fais un dépôt de 300 000. Et le reste, j'enverrai par mon chauffeur. Ok. Merci, chérie. Ok. On va acheter deux pauses, non? Oui, pourquoi pas. Ok. Je crois qu'il faut la suivre pour prendre au moins le numéro. Évidemment. On ne peut pas laisser quand même 70 000 parties comme ça. Évidemment, allons-y.
Ma chérie, s'il te plaît, donne-moi l'argent des whisky là. D'accord, madame. C'est combien ici? 70 000 francs, madame. 70 000 comment? Les deux bouteilles de whisky faisaient 140 000, non? Non, madame, ce sont les avantages de service. Donc, vous prenez une bouteille et moi une bouteille. Attends, et tu prends jusqu'à 70 000 que tu as travaillé quoi? Remets-moi 65 000, tu gardes 5 000 pour toi. J'ai participé à tout. Et parlons même de travail. Qu'est-ce que vous avez travaillé pour les avoir? Hey! Tu penses que c'est facile de travailler l'argent là? Parce que tu crois qu'à mon âge, c'est facile d'entretenir ces restes ici pour les rendre attirants? Parce que vous croyez aussi que c'est facile de se tenir là et de voir les hommes draguer une matée comme vous sans me regarder. Logiquement, vous devez être en retrait comme dans tous les métiers. Après, on va s'étonner pourquoi la jeunesse n'avance pas. La jeunesse va avancer comment si vous, les matés, vous ne pouvez pas céder la place aux jeunes? Hein? Vous seul, vous avez trois hommes à vos pieds et moi, je suis là, je chôme. On fait 50-50. Laisse-moi alors te dire qu'il n'y a pas la retraite dedans. Vendeuse un jour, vendeuse toujours. Oui? Et puis, toi qui te dis jeune là, vous espérez prendre la place des vieux, comment si vous avez manqué de respect à ce point? Une jeunesse qui ne respecte pas les vieux, c'est une jeunesse perdue d'avance. Mais demande-moi... Madame, c'est la procédure. Même le patron au courant, excusez-moi. Je vais te le patron. Mais chérie, que se passe-t-il? Il n'y a rien, mon cœur, il n'y a rien. Tout va bien? Oui, ça va, chérie, ça je va. Je suis que tout va bien. Il n'y a rien, j'avais juste une petite conversation avec la serveuse. Allons-y alors. Vas-y, je vais te suivre. Mais non, allons-y. Vas-y, je vais te suivre. Je vais revenir pour toi. C'est ça. Les vieilles mères frappent aussi. Tout le monde frappe, même les mères veulent frapper. Aussi, elles frappent.